La micro-épargne par les associations villageoises d'épargne et de crédit, une solution adaptée au financement des activités à Zamplou, précisément dans la sous-préfecture de Doké. Selon Oulahi Fulbert, promoteur du groupe AVEC dénommé Kbene de Zamplou, pour lui, ce système financier accessible aux populations restera un lieu d'espoir, un moyen d'existence amélioré pour les habitants de cette localité. À cet effet, une rencontre a été organisée dans l'optique de savourer l'exploit inattendu. Aujourd'hui, c'est la fête du partage, c'est-à-dire après deux cycles. Le premier cycle, on n'a pas fait de fête. Deuxième cycle, on a décidé de faire une fête d'ensemble pour voir à peu près le niveau des groupes. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Et aujourd'hui, on se retrouve à six groupes. Ça fait 180 personnes. Et on se réjouit tous ensemble. Il n'y a pas de secret, c'est la patience. Il faut pouvoir communiquer. Il faut communiquer avec eux, pour les convaincre, pour leur apprendre les béabas de la chose, l'avantage, les inconvénients. Et quand ils ont su les avantages surtout, ça les intéressait. Et aujourd'hui, je suis heureux. Selon les témoignages, la caisse villageoise autogénérée semble efficace, pertinente et adaptée. J'appelle tout le monde à s'investir dans AVEC. Je ne suis pas allé dans une caisse là, caisse noire, pour demander 5 000 francs, revient à 2 500. Pour payer 2 500, et pour payer les 5 000, tu paies 7 500. Donc ça fait 2 ans, je ne fais pas ça. C'est avec. Donc avec me soulage. Je suis bien avec. AVEC joue un rôle important dans ce village. Parce que ça nous fait éviter beaucoup de choses. Actuellement, en tant que chef du village, il y a des moments quand il n'y avait pas AVEC dans le village. Moi, je suis là. Il y a des moments où je suis emmerdé par mes administrés. C'est-à-dire, le chef du village, quand il y a un petit problème, on vient vers lui. Même dans les familles, quand il y a un petit problème, on vient vers le chef du village pour lui demander quelque chose. Mais depuis que AVEC est installé dans notre village, les petits problèmes l'ont diminué. Cette organisation harmonieuse de AVEC à Zamplou, à l'auto-promotion en milieu rural, doit aussi son ascension fulgurante à Istradev. Si je pouvais dire, c'est extraordinaire et je peux dire même énorme. En déjà 2 ans, presque à 10 millions, c'est de leur demander d'avoir toujours des pas qui vont au-delà de 6 à 10 ou bien à 12. Et aussi de toujours persévérer et de croire toujours à ce qu'AVEC les apporte au niveau de la communauté. L'implémentation n'a pas été facile pour les agents qui étaient sur le terrain ici. Et aujourd'hui, être là où on est, c'est à féliciter. Parce que ce n'est pas dans toutes les localités qu'on a eu ce genre de représentation. J'aimerais tout juste les féliciter qu'ils continuent dans cette lancée et qu'ils puissent implémenter d'autres AVEC. Dorénavant, dans cette localité, les AVEC s'apparentent comme un outil de développement local dans la mesure où elles contribuent à l'amélioration et à l'épanouissement des personnes démunies.